Majid, une victoire, deux victoires et une qualification. Bah, très heureux parce que c'est la récompense du travail qu'on a fait au mois de juin. Gagner deux fois extérieur, normalement t'as quelque chose à la fin, et vu que le Mali s'y gagnait, c'est comme si t'avais rien fait. Donc là, voilà, alhamdoulilah, le travail paye. Et fier parce que sur trois matchs, on a gagné trois matchs. On a montré certaines continuités, même si aujourd'hui l'équipe du Rwanda n'était pas extraordinaire, mais le terrain était difficile. Et c'est toujours difficile de gagner en Afrique, donc alhamdoulilah. Qualification pour le prochain tour, là, vous avez passé des vacances tranquilles. Ouais, passer des vacances tranquilles jusqu'au mois de septembre, on aura le temps de se préparer, et ça va être la guerre. Hein. En plus, le tirage va être dur, parce qu'il y a du lourd. On peut tomber contre l'Égypte, la Tunisie, la Libye, donc voilà. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci. Vas-y. Adlan, une victoire et une qualification. Victoires et une qualification. Ouais, une qualification pour le second tour. C'est pas encore la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Mais il faut savourer parce que c'est la fin de saison. On a fait un bon mois ensemble. On a fait trois victoires d'affilée. C'est quand même pas mal. On est content. Faut célébrer ça ce soir. Mais il nous reste encore deux matchs, Inch'Allah, mais ça fait vraiment plaisir d'être qualifié dès ce soir. Exactement, ouais. C'est-à-dire que vous allez partir en vacances tranquille, ouais, vacances, sans pression. Ça va être bien, Ramadan, il y aura tout qui... Et vous allez faire la fête à Tchaker en gagnant contre Inch'Allah, le Mali. Inch'Allah, on va offrir ça, on va essayer de faire un bon match contre le Mali pour nos supporters. Parce que ce sera pour eux un beau match, et on espère qu'on va gagner aussi là-bas pour bien finir ce match de groupe. Merci. Merci beaucoup. Merci.